Nous allons reprendre le cours plus normal de notre séance de questions au gouvernement et je donne la parole à Madame Ingrid Dordain pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Madame la Ministre, notre pays accueillera dans quelques mois l'un des plus grands événements sportifs du monde. Si les Jeux Olympiques bénéficient déjà d'une très grande visibilité aux yeux du public, les Jeux Paralympiques, en revanche, restent malheureusement, édition après édition, le parent pauvre de cet événement. Les compétitions paralympiques ne trouvent écho qu'auprès d'un public restreint et la communication qui leur est accordée est toujours dans l'ombre des épreuves des valides. Pourtant, nous ne pouvons qu'encourager, valoriser et être fiers des sportifs qui participent aux épreuves paralympiques tant par l'importance des efforts physiques qu'ils fournissent que par la symbolique de persévérance et de courage qu'ils représentent, ainsi que de la solidarité qui nous frappe à chaque épreuve grâce à l'investissement incroyable et pourtant trop peu mis en valeur des aidants. Ce dimanche 8 octobre, vous avez mis en œuvre à Paris une belle première opération de promotion du sport pour les personnes avec handicap et les paraathlètes tricolores. Le public y était enthousiaste et révèle à quel point l'intérêt peut être fort auprès de nos concitoyens. Le sport démontre une fois encore à quel point il est rassembleur, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Si l'inclusion est mise en valeur sur le parcours de la flamme olympique, les associations souhaiteraient également y voir leurs membres. Personne avec handicap et aidant. Y participer à toutes les étapes, c'est d'ailleurs une demande forte chez moi à Amiens. Madame la Ministre, quelle est l'ambition du gouvernement pour donner enfin aux Jeux paralympiques la même visibilité que les épreuves des sportifs valides et que ces Jeux soient le reflet de notre dynamique pour une société inclusive? Je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dordain, en effet, la deuxième édition de la journée paralympique dédiée au parasport a réuni ce dimanche sur la place de la République 20 000 personnes en présence du chef de l'État. C'est l'un de nos temps forts avec le relais paralympique dans la route vers nos Jeux. Nos Jeux paralympiques d'été qui seront les premiers organisés par notre pays et le plus grand événement parasportif organisé de tout temps. Nous voulons faire de ces Jeux un rendez-vous capital, un levier d'abord pour changer le regard que la société porte sur le handicap en mettant en valeur les performances exceptionnelles de nos champions, en faisant vivre au grand public et notamment à notre jeunesse, aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, ces moments de sport extraordinaires, les émotions que leurs exploits suscitent, et en faisant aussi connaître les parcours hors normes, les leçons de vie qu'il y a derrière tout ça. Nos Jeux paralympiques seront inscrits dans la durée, dans la liste des événements d'importance majeure. Ils feront l'objet d'une retransmission intégrale sur France Télévisions et nous pourrons ainsi admirer notre équipe de France. Mais je veux reprendre les mots d'Olivia Grégoire ici. Ces Jeux ne doivent pas être seulement l'occasion de changer le regard, mais bien la vie des personnes en situation de handicap. C'est le sens de notre feuille de route gouvernementale et c'est le sens de nos actions en faveur de l'héritage sportif de cet événement. Pour diffuser une pratique sportive plus accessible, moins chère, plus diverse, quel que soit le handicap, avec l'école, avec le monde médico-social, avec les clubs sportifs, avec des aides comme le passeport. La billetterie aux Jeux paralympiques est ouverte. 2,8 millions de billets, dont 80% à moins de 50 euros. Il faut battre des records, ceux de Londres, des records d'affluence. Alors, tous aux Jeux paralympiques, ils seront spectaculaires. Et pour reprendre les mots de la Première ministre, un accélérateur vers une société plus inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.